Viva Rudel Poussin! Viva Rudel Poussin! Non! Mais enfin, patron, soyez raisonnable! Non, non et non! Allez, allez, il faut manger quelque chose! Miam, miam! De la bonne graisse de mouton tiède! Mmh, comme c'est beau! Non! Non, ça sert à rien! Vous n'allez pas vous laisser mourir de faim! Et puis, ça se passera peut-être bien! C'est même pas vrai d'abord! Le calife, il sera encore élu à une écrasante majorité! Mais non, vous aurez peut-être de la chance! De la chance? Mais tu ne te souviens pas de la dernière fois? Les patriotes qui sont pour que notre bon calife reste sur le trône, lève la main s'il vous plaît! Gloire au calife! Gloire à Haroun! Gloire à notre calife! Que le ver immonde qui est pour la déchéance du calife ose lever la tentacule visqueuse qui lui sert de bras! Par 499 voix contre un aboiement répugnant, le mandat du calife est reconduit pour les 10 années qui viennent! Voilà comment ça s'est passé la dernière fois. Qui sait, patron, peut-être aurez-vous la majorité cette fois-ci. Penses-tu? C'est pas la peine de rêver. Le calife sera toujours calife et je serai toujours pas calife à la place du calife. Si la droite pouvait voter à gauche et la gauche pouvait voter à droite. Ce serait merveilleux. Et puis comme ça, la droite serait la gauche pour que la gauche, elle soit la droite. Oh là là, les chouchis me donnent mauvaise mine. Quelle sale tête. Oh, c'est pas vrai. Eh, sois poli. Hein? Qui, hein? Qui? Hein? Sale tête toi-même. Qui es-tu? Hein? Je suis un valouette, moi. Ou si tu préfères, un génie vivant dans les miroirs. T'es vraiment un génie? Mais oui, un génie bon teint, bon pied, bon œil. Eh bien, si tu es venu me dire que je suis le plus beau du califat, je connais l'histoire. Tu peux disparaître. Si je suis venu, c'est parce que je t'ai entendu souhaiter que la droite soit à gauche et vice-versa. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Dans le monde derrière le miroir, tout est inversé. L'endroit est à l'envers. Et la droite est à gauche. Ma chance de devenir calife. Oh! Je peux entrer dans ton monde? Mais bien entendu, tu n'as qu'à casser le miroir sur ta tête. Comme ça? Oui. Pour faciliter la compréhension de cet épisode, qui, dans sa version originale, se passe de l'autre côté du miroir, nous vous présentons sa version doublée. Au revoir, foi le malvenu derrière le miroir. Oh là là, quel accueil. Fais-nous au revoir veut dire bonjour. Et malvenu, bienvenue. Ah bah ça va être simple. Où me mènes-tu? Au califat de derrière le miroir. Tu y trouveras le monde opposé que tu souhaites. Est-ce que tu connais le chemin? Oh, c'est facile, fais tout gauche. C'est bien ma ville, je reconnais la grande place. Allons vite au palais. Attention! Espèce de délingos, on regarde à votre traversée. Je savais pas que la circulation avait changé de sens. Elle n'a pas changé. Je t'ai expliqué, Giffy, tout était inversé. Je ne comprends rien du tout à ce que tu racontes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce soir, après le vote presque unanime de l'Assemblée reconduisant son mandat, le calife offrira des festivités à la population. Et voilà, ça continue, bravo. Emballons le calife et ses partisans. Salouette, t'as entendu ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ce sont les opposants. Quel brave gens.
Pas du tout. Leur violence risque d'influencer le vote de l'Assemblée du Califat. Les braves gens, comme c'est beau. Heureusement, les forces de l'ordre veillent. Mais ils vont faire du mal à ces braves gens. Stop! Halt! Qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit stop! Pas de mais. Laissez ces jeunes gens s'exprimer. Rentrez dans vos casernes et je ne veux pas voir de gardes dans les rues avant le vote de l'Assemblée. Mais enfin, les opposants vont mettre le califat à feu et à feu. Mais j'y compte bien. Tu dis toi-même que la violence va influencer le vote de l'Assemblée. L'essentiel, c'est qu'on vote contre le calife. Je ne comprends rien à ta stratégie. La tête du calife est bourre. Prisons ce maudit calife. Calife. Il pompe sur le calife. Vive le grand vizir. Un bel calife. Sortant, un bel calife. Merveilleuse musique. Écoute-moi. Non, pas maintenant. Moi, j'ai du travail. Et v'là sur le calife. Vive le grand vizir. Et paf et pif et pof et blanc et tralala. Oh, les braves gens. Il faut que tu m'écoutes. Fais vite. Non, pas maintenant. Allons vite à l'Assemblée. Je veux pas rater ça. Attention! Tu as encore oublié qu'on circulait dans l'autre sens, Fifi. Chers représentants du peuple, je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais je vous demande de songer aux émeutes qui font rage actuellement dans la ville. Suite à une mystérieuse passivité des forces de l'ordre, je dois bien le dire, ceux qui sont assez fous pour voter tout de même en faveur du calife, lèvent le bras s'ils veulent. Ceux qui ne tiennent pas à se faire empaler par le peuple en colère et qui votent contre le calife, lèvent le bras. Merci. Par 499 voix contre une, le mandat du calife n'est pas reconduit. Et nous sommes sauvés, les gars. Par conséquent, et suivant notre loi, le grand vizir devient calife à la place du calife. Youhou. Tu as entendu? Ça y est, enfin, ça y est! Mon pauvre Is No Good! Mais c'est le calife! Oui, et crois bien que je le regrette! Ah oui, je le regrette aussi pour vous, mon pauvre vieux! Pour moi? Alors, l'ancien calife! On nous donne l'ancien calife! D'autant plus que vous allez avoir des problèmes très sérieux! Des problèmes. Tu devrais essayer de te mettre à l'abri, mon bon Is No Good. À l'abri? Mais l'ancien calife, c'est vous. Mais non, c'est ce que j'ai essayé de te dire. Derrière le miroir où tout est inversé, le calife, c'était toi, le grand vizir, c'est à lui. Quoi? Vite, il est là! Abat l'ancien calife! Appelez le bourreau! Des gens horribles! Ce sont des gens horribles! Où il est? Où il est? Attention! Ah, toi, tu as encore oublié le sens de la circulation! Faites foraine! Vite, là, ils vont pas nous trouver! Viva Rounel Poussa! Notre nouveau calife! Le palais de miroir! Je suis sauvé!
Que comptes-tu faire? Je vais passer à travers un de ces miroirs et retourner dans mon monde. Réfléchis bien, jamais ce miroir ne te ramènera dans ton monde. Mais je n'ai pas le choix. Allez, salut. Mais c'est un miroir déformant! Ah, vous voici enfin, patron. Mais où étiez-vous donc passé?